أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمي. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va terminer sur l'émigration de l'Abyssinie. On va essayer de voir quelques petits points. La première question que j'aimerais poser et voir la réponse de ce que les ulama nous ont apporté, c'est pourquoi avoir choisi l'Abyssinie? Pourquoi l'Éthiopie? Bien sûr, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah seul connaît la sagesse. Malgré tout, certains ulama et certains auteurs de Sirah nous ont donné des indications. Allah fait ce qu'il veut, sans aucun doute. Mais si on devait réfléchir à plusieurs raisons qui ont fait penser la balance plutôt du côté de l'Abyssinie. Eh bien, premièrement, parce que peut-être que tactiquement, de manière tactique, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait préparer une porte de sortie, de secours, en dehors de la péninsule arabique, au cas où ça tournerait mal en Arabie. Au cas où ça tourne mal à Mecca, au cas où ça tourne mal en Arabie, eh bien, on a une porte de sortie ailleurs et il y a déjà des musulmans qui y sont installés. En effet, tous les musulmans au même endroit, ça peut être risqué. Wallahu a'lam. Donc, c'est pour ça qu'ils sont partis là-bas et même peut-être c'est pour ça qu'ils y sont restés assez longtemps en Éthiopie. Première raison. Deuxième raison. Parce que, pourquoi en Abyssinie? Parce que les Arabes, ils connaissaient plus ou moins la culture abyssinienne. Ils y étaient exposés pendant les voyages de commerce, etc. Il y avait quand même des allers-retours, même s'il y a la mer Rouge entre les deux. Il y a quand même des allers-retours entre Mecca et l'Éthiopie et Habasha. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt choisi l'Éthiopie que d'autres endroits. D'ailleurs, en ce qui concerne le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, eh bien, dans son entourage proche, vous savez qui était d'origine éthiopienne? Eh bien, Umm Ayman. On en a parlé, Umm Ayman. Umm Ayman, celle qui était avec lui lorsque sa maman est décédée, etc. On raconte même, les ulama nous racontent même, que Umm Ayman a initié, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait découvrir au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la culture éthiopienne. Par exemple, elle lui faisait des plats abyssiniens, de la cuisine abyssinienne, etc., etc. Donc, eh bien, que ce soit les Sahaba, que ce soit le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait plus ou moins la culture abyssinienne. Troisièmement, eh bien, c'était des chrétiens. Et les chrétiens sont réputés et sont plus proches des musulmans que les polythéistes de Mecca ou que les Majous de Perse ou que les adorateurs de feu ou les polythéistes de Perse. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle lorsqu'il dit « Alif, Lam, Mim, Ghulibat ar-Rum » etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'une bataille entre l'Empire romain et l'Empire perse. Et nous savons que les musulmans, ils étaient plus enclins à supporter les Romains et les polythéistes de Mecca, les kuffars de Mecca, ils étaient plus enclins à supporter les Perses parce que c'était des polythéistes comme eux. Et donc, voyons que, eh bien, comme là-bas, il y a des Nasara, il y a des chrétiens, et en plus des chrétiens qui sont, qui connaissent leurs textes, qui connaissent leurs sources, etc., etc., c'était peut-être mieux d'aller vers ces gens-là. Allahu a'lam bis-sawab, les ulama nous ont donné d'autres raisons, on va se suffire de ces trois ou quatre raisons-là. Quatrième raison d'ailleurs, parce que, eh bien, parce que c'est un roi juste. Le Négus, c'est un roi juste, comme l'a dit le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même. C'est un roi juste. Et à la fin, il a fini par se convertir à l'islam. Et donc, le fait d'avoir un roi juste, gouvernement, si je peux appeler ça comme ça, juste, eh bien, ça peut nous permettre effectivement d'avoir une vie plus paisible et de vivre notre islam de manière cohérente. Wallahu a'lam bis-sawab. D'autres leçons que les ulama nous ont dit dans cette émigration en Abyssinie, et dans le discours de Ja'far radiallahu ta'ala anhu qu'on peut essayer de voir entre nous afin de conclure ce chapitre. Une chose importante, et on l'a dit, c'est que il n'y a pas de compromis sur le haqq, pas de mensonge. Ils ont dit la vérité, même si cette vérité-là était dangereuse pour eux. Ils auraient pu se faire expulser,
Parce qu'ils auraient pu, hein, na'ouzoubillah, dire que non, on croit comme vous, vous inquiétez pas, on est... Non, non, ils ont dit la vérité. Et il y a eu des points de divergence entre la croyance chrétienne et la croyance musulmane. Mais ils ont quand même dit, voilà ce qui en est. Voilà ce qui en est. Et à ce moment-là, eh bien, effectivement, le mensonge l'emporte toujours. Et ils en sont tenus. Pardon, excusez-moi, la vérité l'emporte toujours. Et ils en sont tenus à la vérité. Wallahu a'lam bissawab. Autre chose que les ulama nous ont pointé là, c'est que, vous savez, et ça c'est intéressant pour nous, c'est que lorsqu'ils ont vécu là-bas pendant plus d'une dizaine d'années pour certains d'entre eux, eh bien, à la fin, ils ont fini par adopter la culture locale. Pas le culte, la culture locale. Ils se sont parfois habillés comme les gens de l'Abyssinie, etc., etc. On a des textes historiques qui en parlent. Sauf si c'est contradictoire avec l'islam et avec leurs croyances. Lorsque la culture est contradictoire avec l'islam, on ne l'adopte pas. Sinon, il n'y a pas de problème. Par exemple, la culture, l'habitude de l'époque, c'était de faire le sijda devant le négus. Ça, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce que c'est contradictoire avec l'islam, c'est interdit dans l'islam. Si la culture a une base culturelle autre que l'islam, ou si ça contredit nos textes, à ce moment-là, il ne faut pas le faire, et c'est ce que les ulama ont appelé tashabbuh. Si ça a une base culturelle, une base religieuse qui vient des chrétiens, des juifs, etc., etc., ou alors ça contredit nos textes, alors on n'a pas le droit. Sinon, il n'y a pas de problème, Wallahu a'lam bissawab. Autre point que les ulama nous ont mis en avant là-dedans, dans cette histoire, c'est que, eh bien, subhanallah, les musulmans, lorsqu'ils sont venus devant le négus, ils étaient unis. Il y avait une union des musulmans et des musulmanes, et ils avaient comme amir Ja'far bin Abi Talib. Ils ont nommé comme amir Ja'far bin Abi Talib. Et il y avait une union des musulmans, parce qu'ils étaient une centaine. Ils auraient pu dire, non, non, nous, on n'est pas d'accord, on va dire ça comme ça, on va dire ça comme ça. Et ils auraient exposé des divergences, mais plus que ça, devant le négus. Et le message ne serait pas passé. Là, en l'occurrence, tout le monde parlait, et c'est le cas de le dire, tout le monde parlait d'une seule voix. C'était Ja'far bin Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, qui a exposé le message de l'islam. Vous voyez que... un autre point, il y en a qui sont restés là-bas pendant au moins 13 ans. Pendant 13 ans. Et ça, c'est une période importante pour nous. Le parallèle peut être fait. Les leçons peuvent être tirées entre l'Abyssinie et les endroits où nous vivons, nous. Parce que, bien sûr qu'il y a des différences. Bien sûr que ce n'est absolument pas du copier-coller. Bien sûr que ce n'est pas la même époque, mais malgré tout. Ils ont vécu là-bas pendant... plus d'une décade, un décade. Des enfants, ils sont nés là-bas, la deuxième génération. Ils ont appris la langue, ils se sont appropriés la culture. Ils ont fait tout ça, mais ils n'ont jamais oublié leur raison d'être. Allah. Ils ont fait la da'wah. Ils ont présenté le message de l'islam. Mais ils se sont appropriés la culture, mais ils n'ont jamais oublié Allah, leur raison de vivre. Et Il y a un monde de différence, et c'est ça qu'il faut comprendre pour nous, entre l'Éthiopie et la Mecque. Bien sûr que l'islam ne change pas en fonction du pays, mais il y avait un monde de différence. Et dans ce genre de situation, comme pour nous ici aujourd'hui dans le monde occidental, eh bien nous avons deux challenges. Nous avons deux challenges à relever dans ce genre de situation. Et c'est comme ça qu'il faut tirer les leçons de la Sirah. Le premier grand challenge, c'est tenir compte des spécificités, du urf, des spécificités, et de ne pas faire de copier-coller culturel au nom de l'islam. La culture, elle est propre à chaque endroit, à chaque pays. Le copier-coller culturel au nom de l'islam, ça ne fonctionne pas. Nous avons parfois des dérives au nom de l'islam. C'est uniquement de la culture de certains pays, ils font ça, dans certains pays, ils ont telle pratique, et on le fait petit à petit. Eh bien, comme c'est des pays réputés musulmans, eh bien, c'est uniquement de la culture. Et c'est bien la culture, il n'y a pas de problème avec la culture. Quand est-ce que ça commence à devenir problématique? C'est lorsque la culture se fait au nom du culte. C'est lorsque la culture va être au nom de l'islam. À ce moment-là, c'est problématique. Donc, il s'agit pour nous de tenir compte des spécificités de chaque endroit, de ne pas faire de copier-coller culturel au nom de l'islam. Ça, c'est le premier challenge. Mais le deuxième challenge, il est tout aussi important, voire plus.
s'accrocher aux fondamentaux de l'islam et de ne pas tout dénaturer au nom du urf, au nom des spécificités, au nom de la contextualisation. Il faut faire extrêmement attention. Ça, c'est un travail de mujtahid. Ça, c'est un travail de ulama. Surtout de ne pas dénaturer l'islam au nom de la contextualisation, au nom du urf, s'accrocher aux fondamentaux. Parfois, nous avons des gens qui nous disent que, eh bien, dans nos pays, par exemple, eh bien, il n'y a pas besoin de hijab. Na'ouzoubillah. Il n'y a pas besoin de faire la prière, il n'y a pas besoin de faire la prière à l'heure, etc. Ou alors, nous pouvons prendre des crédits à la banque, etc., etc. Tout cela, eh bien, ça fait partie des fondamentaux qui ne changent pas en fonction de l'endroit dans lequel nous sommes. Sinon, eh bien, quelle espèce de religion qui changerait en fonction du pays? Les fondamentaux restent les fondamentaux. Bien sûr que l'islam a pris en considération que l'islam doit pouvoir être vécu, eh bien, partout, et tout le temps. Wallahu a'lam. Malgré tout, il y a un socle commun. Il y a une base commune et il faudra s'y tenir. Il faudra pour cela faire une distinction claire entre culte et culture. Il faudra faire une distinction claire entre culte et culture. Et deuxièmement, il faudra pour nous qui vivons dans ce genre d'endroit s'accrocher aux ulama et aux vrais ulama. Pas ceux qui ne sont pas formés, qui se disent être ulama, aux ulama qui ont été formés. Et il faudra s'accrocher à eux pour pouvoir effectivement faire la part des choses. Qu'est-ce qui peut effectivement eh bien, varier en fonction des endroits et qu'est-ce qui ne varie pas dans l'islam. Vous savez, les musulmans, ils ont vécu de manière assez pacifique en Éthiopie. Dans aucun livre, dans aucun texte, on ne trouve de narration rapportant une intention quelconque de renverser le pouvoir ou de bombarder les civils ou de faire la guerre aux gens qui n'étaient pas musulmans ou musulmanes. On ne l'a pas vu. Bien sûr, ils n'ont jamais abandonné la da'wah. Ils ont présenté le message de l'islam, etc., etc. Mais il n'y a pas d'intention belliqueuse, on ne trouve pas d'intention belliqueuse de ces musulmans en situation de minorité contre la majorité. Ils vivaient leur religion tranquillement, de manière pacifique, mais n'avaient abandonné ni la pratique du dîn, ni la da'wa ilallah. Ils n'avaient abandonné ni la pratique du dîn, ni la da'wa ilallah. Et ça, il faut absolument en être conscient. Tant qu'on est capable de vivre notre dîn correctement, on peut. À partir du moment où on n'est plus capable de vivre notre dîn correctement, il faut sortir, il faut partir. Ils vivaient selon les règles établies aussi. Tant que cela ne transgresse pas les règles d'Allah, les règles établies dans le pays, pas de problème, à condition que cela ne transgresse pas les règles d'Allah. Par exemple, lorsqu'on les a convoqués pour réfléchir à leur expulsion, on vient de le voir, eh bien, la règle c'était quoi? Tu fais sijda. Non, je ne fais pas sijda. Ça transgresse la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, lorsqu'il fallait plaider dans la cour du roi, plaidoirie dans la cour du roi, Ja'far bin Abi Talib, il a plaidé dans la cour du roi. Il a plaidé la cause des musulmans et des musulmanes devant la cour du roi. Et il faut le savoir, et je le dis sans complexe, subhanallah. Les gens disent qu'il faut partir, il y a des gens qui disent qu'il faut se battre, etc. C'est pas ça. En fait, il faut savoir être musulman correctement. Et subhanallah, et ce sera mon mot de conclusion, c'est que avant de vouloir faire bouger les lignes, avant de vouloir faire bouger le monde, eh bien, il s'agit pour nous de comprendre mon monde, de comprendre mon islam et de vivre sereinement mon islam. Et on devra commencer par résoudre ce conflit d'identité qui existe en beaucoup d'entre nous et d'enlever tout complexe dans notre être par rapport au fait d'être musulman. Parfois, nous avons un conflit d'identité et nous croyons que l'islam, que nous ne pouvons pas vivre dans certains endroits ou alors qu'il faudra enlever tout un pan de l'islam. Non, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'islam, le béaba de notre croyance, c'est que nous pouvons vivre notre islam correctement, de manière sereine, partout et tout le temps. Et donc, il s'agit pour nous d'être musulmans sans complexe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. فجزاكم الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب الله يا رسول الله محمد.